Venez dès que vous aurez faim, d'accord? Et pensez à dire à tous vos petits camarades que je suis là pour eux. De bonnes pommes, nuit et jour. Oh, si je pouvais bouger, je ferais des livraisons de la pomme du jour. Tu ne serais pas... Aphrodite, des fois? Eh bien, ma foi, si. Ravie de faire ton éclatante connaissance. Phénix, pardon, mais je t'admire tant. Tu es à l'origine de certaines des plus belles histoires d'amour de tous les temps. Je ne m'attendais pas à te voir ainsi, mais même dans cet état, disons, végétal, tu es splendide. Oh, comme c'est chou de dire ça. Mais le seul miroir où je plonge mon regard ces temps-ci reflète le sourire des créatures que j'aide. J'aimerais tant atteindre ceux qui ont le plus besoin de moi. Mais hélas, mes racines me retiennent. C'est donc ça que t'as fait, Typhon. Pour t'empêcher d'utiliser ta beauté à déplacer des navires ou inspirer courage à ceux qui l'affronteraient. Moi ? Déclencher une guerre ? Je me demande d'où peut te venir ce genre d'idée. La vraie beauté est d'être au seul service des autres. L'authentique amour, c'est le don de soi. Le nom d'Aphrodite aurait toujours dû en être le synonyme. Non, mais ce qu'il faut pas entendre. J'ai été transformée. Mon essence d'autrefois se trouve dans une crypte, sous ma plus grande racine. Et c'est mieux ainsi. Je pourrais peut-être te rapporter cette essence. Je vais avoir besoin d'alliés pour affronter Typhon. Nous devons prendre soin des affamés. Tu as dit que tu devais te libérer de tes racines. Au profit des affamés, bien sûr. Je n'ai jamais eu la main verte. Ainsi, je sais comment faire mal aux plantes. Avec du sel, qui les fait se recroqueviller. Oh, ça marcherait? Car mes racines n'ont rien d'ordinaire, bien sûr. Elles sont très puissantes. Alors il faudrait... de l'eau salée mythique? Oh, la prophétie en parlait! Une perle en eau agitée! Tu étais bien une perle dans la mer! Et c'est l'écume salée qui t'a vu naître! Oh, quel bel esprit tu as là! Mais je ne peux demander à une étrangère de reconstituer les circonstances de ma naissance. Et si cette étrangère y était prête? Si cette étrangère le désirait vraiment, j'imagine que ce ne serait plus une requête de ma part. Voici comment se procurer l'écume qui m'a fait naître. Non, je connais déjà tout ça. Ma mère adorait cette histoire, elle me l'a rabâchée je ne sais combien de fois. Papy Uranos a jeté une perle dans la mer qui s'est mise à bouillonner, et puis Aphrodite en est sortie. Une perle ? Papy ? Je ne suis pas sûr que... Si, si, ça s'est passé comme ça. D'accord. Si tu le dis, c'est toi qui décides. Bon, il faut lancer une perle dans la mer très fort. Finalement, ça a l'air assez simple. Oh, merci, Phénix. En un rien de temps, je pourrais offrir des pommes fraîches aux déshérités de l'île d'Or. Eh ben, tout ça est plus bizarre que Déméter qui transforme des enfants en lézards. Aphrodite, douce et charitable? Plus de problème? Ce n'est pas ce que tu souhaitais, en la mariant à Héphaïstos, contre sa volonté. Comment ça, contre sa volonté? Non, mais elle savait parfaitement que c'était pour son bien.
Les dieux pensent qu'une pitoyable armée de demi-dieux m'arrêtera. Tu ne t'es pas encore enfoncé de l'âme dans les yeux ? Impressionnant. Tu ne t'es pas encore enfoncé de l'âme dans les yeux ? Impressionnant. Nous aussi, Typhon, champion du monde, pour survivre. Champion du monde. Loué soit Athéna. Mais pas non.
comme ça, Papy Uranos a enfermé tous les cyclopes avec les autres titans. Oui, il craignait qu'il ne le renverse. Il y avait une prophétie qui... Non, mais je m'en fiche. Papy avait toujours raison, de toute façon. Bon pied, bon oeil. Tu as compris? La naissance d'Aphrodite est une histoire horrible. Mais ça n'a rien d'horrible. Papy Uranos et mon père pitoyable, la Chronos, ils se sont battus si fort que ça a tranché le lien entre le ciel et la terre. Il n'y a pas que ça qui a été tranché. Pendant son attaque surprise, Chronos a saisi Uranos par... Quand la terre a été séparée du ciel, il y a eu un grand tremblement de terre qui a détaché une perle de son huître. Attends, ce n'est pas du tout... La perle est arrivée sur Terre et Uranos l'a attrapée et l'a lancée dans la mer tellement fort qu'elle a provoqué un jaillissement d'écume. Yeah.
C'est de cette écume qu'est sortie Aphrodite, aussi belle que la perle. Non, mais c'est insupportable! Zeus, Gaïa t'a menti à propos de la naissance d'Aphrodite. Ah bon? Alors vas-y, raconte-moi ce qui s'est passé. Crone. Non, mais c'est une blague! Tomber dans la mer... C'est... Parce que Cronos lui avait coupé son... Oh, mais tu es un pervers! Ne m'adresse plus jamais la parole! Après avoir obtenu l'écume...
Phénix s'entreprit de retourner voir Aphrodite, avec la clé de la crypte et de sa liberté. Te revoilà, chère créature. Oh, tu as l'écume de mer ? La voici. Oh, quel talent ! Je t'en prie, accepte ma bénédiction en remerciement. Maintenant, verse vite l'écume sur mes racines. Plus vite je pourrai me déplacer, plus tôt j'offrirai mes pommes. Ça a marché ? Jaillissant de l'écume, j'étais si fabuleuse. Non, trop d'adorables créatures ont besoin de mon aide. La vue de leurs petits becs et de leurs yeux brillants me tient éveillée toute la nuit. Sans parler de leurs petits museaux humides.
s'est passé? Typhon ne doit pas t'apprécier, même si je ne comprends pas pourquoi. Quand quelqu'un le défie, il dépêche un de ses spectres, qui, comme le font ses congénères, délègue la responsabilité de sa tâche à des ombres. Alors, le guerrier qui est apparu n'était pas vraiment Achille? Grand Dieu, non! Le vrai Achille est beaucoup plus beau. Oh, ne m'en parle pas. Il se cache dans une tanière près d'ici. Tant qu'il ne sera pas vaincu, ses ombres réapparaîtront dans cette partie de l'île. Ça arrive qu'il y ait de bonnes nouvelles? Eh bien, l'écume a rempli son office et je peux bouger mes racines. L'une d'elles obstruait la tanière d'Achille. Mais je ne peux rien pour les trois autres spectres. Héraclès, Atalante et Ulysse. Tu sais bien ce qu'on dit. Les choses pénibles vont par quatre. Personne ne dit ça. Mais personne ne dit ça. Sympa ce coin. Et qu'en est-il de la racine qui retient ton essence? Certaines personnes auxquelles je tiens ont été pétrifiées et j'aimerais assez que... Non. Non. Pour je ne sais quelle raison, cette racine refuse de bouger. Merci de t'en préoccuper, mais... Ce qui compte, c'est que je commence à livrer mes pommes. Les animaux bientôt n'auront plus faim. Il faut que je m'y mette. Merci pour ton aide, en tout cas. Et longue vie à toi. Mais... Bizarre, quand même. Je ne peux plus rester à rien faire. Enfin, je veux dire, me préparer activement. Tu dois rendre à Aphrodite sa beauté et sa... normalité avant que je devienne fou. Par les dieux, mais d'où sors-tu, toi? Eh bien, de derrière. C'est important. Ne t'occupe pas de moi. Trouve plutôt le moyen de ratatiner cette racine. Avec quoi? De l'eau encore plus salée et plus mythique? Attends un peu. Si on essayait avec des larmes d'Aphrodite? Elle a pleuré à la mort d'Adonis. Elles doivent être salées et puissantes. Tu connais décidément les légendes, ma petite. Ces larmes pourraient faire l'affaire, oui, si tu les verses directement sur la racine. Mais où Typhon a-t-il pu les cacher? Fouille les cryptes voisines du Tartare. Il s'y trouve trois larmes cristallisées. D'accord. J'ai de quoi m'occuper, alors. Dépêche-toi. Tant qu'Aphrodite ne redevient pas elle-même, je n'ai personne avec qui parler de ce que tu portes. Qu'est-ce que tu lui reproches à ma tenue? Et il a disparu.